Papa, 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 Armstrong, tu te fends la poire. On voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir. Du noir en dedans. De papa, 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 Armstrong, tu te fends la poire. Bon, mets la musique, mets un peu de jazz, dis le DDD. Toi, il a pris la main, il ne faut pas le faire. Il a pris la main, le jeune. Il a mis un disque. De sa pied, vous savez. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud et froid. Oh moi, qui suis blanc de. Si les autographes, vous pouvez pas vous reconnaître. Il s'est fait blanchir la peau. Pas la mouche, moi je sais pas, plus faire la mouche. Top, top. Bah, vous en servez. Reste de vie. T'as que ça pour 3 jours. Tu l'avais été changé. T'as qui ça? Et t'es pourri, tu vois. T'as qui ça? À moi. Et ma cousine, c'est ça. Elle voulait un enfant. Moi je n'en voulais pas. Il me faut tant facile de te faire un enfant. On s'assoit et on médite un quart d'heure, d'accord? Alors, continuons. Et alors il n'y avait pas de gâte, pas fini, pas capable de plonger.
Ah ouais, est-ce que je suis bien comme ça? Et là, comme ça, c'est bien. Moi, je connais pas la chose parce qu'il y a pas de temps que je voulais le rugby. Il y a un peu, mais je vois jouer. Il y a des pires en rugby. Oh. Même allez, non. Même allez. Moi, j'ai trois jours là. Ah, c'est très reposant, une très belle journée. Par contre, ça manque un petit peu de nourriture, mais je pense qu'on se rattrapera le dernier jour. Oh putain! Anibert, t'as ma pas! Pas du tout? Bon, bon, eh ben écoute, hein. Eh, ça te plaît quand même? Oui. Moi j'ai marché pendant 3 jours ardemment. J'ai été hyper vaillant. Je pense qu'on a dépassé les 100 km. Donc mission accomplie. Mission accomplie. C'est-à-dire qu'on a marché plus de 30 km par jour. Moi je suis très très heureux. On est reçu par la deuxième ligne de Nasbinal. Et il nous fait goûter ses produits. Et puis surtout, on va avoir une course sur. La vraie varche charolaise, donc c'est lui. Et ça, le mec, il dit pas. Le ruisseau, c'est lui. Parce qu'il y a le ruisseau là-bas. Alain, un bel aboutissement pour un projet. Mûrement réfléchi. Mûrement réfléchi. Merci beaucoup. T'es gentil, merci bien, c'est super. Drige, c'est beau l'Aubrac, hein? Très, très beau, très beau paysage, vert, vert et vert. Si je suis deuxième ligne, ça crée quoi. Les gars. Elle va pas charger. Elle va pas charger. Vous avez rentré quand? Début décembre. Elle passe dessus. 5 mois et demi à 6 mois dedans. Sans sortir dans le bâtiment. C'est un peu comme au comité Côte d'Azur, il y a des dominantes et des dominés. À l'intérieur du bâtiment, il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie, on la retrouve ici, on la retrouve dehors, on la retrouve à l'extérieur. Tourne-toi, Jacques. C'est marrant, hein. Elle a envie de lécher, elle lèche, ouais, elle lèche. Par contre, ce qu'on est en train de vivre, voilà, Kéké. Ce matin, on était dans la ville. À soleil couchant, regarde. Oui, soleil couchant. Oh, lui, il est gaillard, lui, regarde, c'est lui, celui-là. On va pas chercher là-bas, mais nous, on peut marcher. Feu du port, 82 débit, 5 000. 82 débit, 5 000. Alors on s'imagine c'est pas, c'est le plus beau sortir dans le monde, l'eau qui sort de la terre. Ouais. Fermez les yeux et pensez à ceux qui n'en ont pas d'eau. Il n'y en a jamais vu, il y a des enfants qui n'ont jamais vu. Oula, c'est un peur. Le ton prend sa faucille et s'en va faucher les gens à boîte. Et s'en va faucher les gens. En chemin, elle rencontre la rirette. Chemin, elle rencontre le jeune et le garçon à poil.
comment on fait? Alors, comment on fait? Bonjour, bonjour. Where do you come from? Canada. Canada is a very nice place. Where are you from? France. Oh, you're France. Côte d'Azur, Saint-Tropez. Comment de jours est-ce que vous avez marché? Là, 37 jours. Oh, no. Really? Oui. Et on est au port. Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'ici. Oh, nice. À l'envers, on a fait à l'envers. This is our first day. New world. 10 minutes. Yeah. Eh bien, ce soir, on vient. Pour les moustiques, as-tu un remède particulier? Si. Voilà. Au lieu de mettre des coccinelles pour les plantes, tout ça, vous prenez des orties, vous les mettez dans une seau, vous mettez de l'eau, vous laissez macérer. Non. Vous allez voir, à un moment donné, une odeur pestis. Nauséabonde. Donc... Vous prenez un truc de. Ouais. Un pistiche, vous le passez, des moustiques. Un pulvérisateur, tu veux dire. Mais parce qu'il y a de l'eau à Félicette, ils ont fait la maison autour des sources. Enfin, là où tu as dit que c'était le WC, il y a une source. Parce qu'il y avait. C'est de la bandière qui venait laver les brigadiers. Combien de kilomètres? 12. Non, 29, je crois. Moi j'ai compté 27 sur mon téléphone. Ouais. Et le petit, il rentre. Oh oui, il rentre. L'avantage en plus avec ses études, c'est que. Je l'aime. Un rose vif de combien? Un kilo, c'est bien. Un rose vif, c'est un rôti de porc. Bon, allez, tu te calmes, ça suffit. Un rôti de porc à quoi? Échine ou filet? Qu'est-ce qu'elle aime? Bon, ce que tu veux, elle m'a dit Justine. Bon, allez, mais je te rappelle plus tard. Attends, il y a plein de monde. C'est moi qui ai acheté le plus. Tu vas voir ma commande, tu vas tomber raide par terre. Tu vas appeler lui, c'est un mec bon, vraiment. Et ma il t'aura pas. Il n'y avait pas Anthony Quinn dans la parole. Alors tout est automatisé, vous voyez, il y a deux bras pour charger la batterie, un bras pour charger la batterie. On fait des mêlées d'à peu près 5 kg, hein, 5 kg par 5 kg. Là, par semaine, tu fais à peu près 3-4 tonnes. 3-5. Le gros, c'est comme les jambons crus. Oui. Les jambons crus, vous avez l'impression qu'il est sec, il a croûté tout le tour, et puis dedans, il est cru. Et quand vous enfoncez le doigt, c'est... Ils vendent ça pas cher parce qu'ils n'ont pas beaucoup de pertes de poids, parce qu'ils ne travaillent pas comme nous. On le vend en conséquence aussi, parce qu'on sait qu'on a cette perte de poids. Mais, voilà. Regardez là. Oh. Et la fleur, quand je vous disais la fleur tout à l'heure, c'est ce qui empêche le foutage. Il n'y a pas quoi, hein? Elle rentre dans le bidon là. Hein bon, merci beaucoup. Moi je reviendrai. Merci beaucoup. Mais que, c'est pas vrai, on est mariés. Écoutez-moi, moi je reviendrai, je reste au bidon. Merci. Bonjour mesdames. Ça va? Elle était nulle.
la fille du Bédouin. Anne, la fille du Bédouin. Je me souviens, c'était le printemps, et je venais d'avoir mes 20 ans. Un jour, par le plus grand des hasards, j'ai rencontré un montagnard. On est entré au bar de l'hôtel, l'accueil a été exceptionnel. Il a suffi d'un accordéon et d'un petit air de chanson. Je reviendrai toujours chez Bastide, c'est vraiment la maison du bon Dieu. Qu'il neige ou que l'été soit torride, vous y serez toujours bien accueillis. En nos bras, la cuisine est solide, on y sert un très bon aligot. Vous reviendrez comme moi chez Bastide, chez eux c'est la vie de château.